Eh bien moi, il faut que je trouve ce que je vais faire comme construction. Je ne sais toujours pas. Faut pas s'équiper un petit peu avant les constructions. Ben moi, j'aimerais bien me faire une petite maison, un endroit où dormir, tout ça. Mais la première chose à faire, c'est de me faire. Il me manque juste un minerai de fer pour. Du fer, justement. Et j'ai des trucs qui ne servent à rien, comme par exemple. Entre nous, je crois que Ceci. l'invention de l'andésite, de la diorite et du granit était une erreur. En vrai, c'est pratique niveau construction pour varier un peu les matériaux, mais c'est pas les meilleurs trucs. Ah, j'ai paumé ma table de craft, j'ai dû la poser quelque part. D'ailleurs, en parlant de granit, d'andésite et de diorite, c'est en train de me pourrir mon inventaire. Ah ouais, c'est bien ce qui me semblait, hein. Non, je voulais pas jeter le saumon, La mince. malédiction de n'importe qui. Pour ce maudit jeu. Oh, il y a pire comme malédiction, mais oui. Ben voilà. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es décédé? Non, mais tu vois ces images, ces mêmes qu'on voit de temps en temps sur les réseaux sociaux où un monsieur mine et s'arrête juste avant de tomber sur un énorme filon de diamant. Et on dit il faut vraiment persévérer jusqu'au bout, c'est les derniers efforts qui sont récompensés. Et bah Alors je vois pas du tout, mais d'accord. ça vient de s'illustrer très littéralement avec moi qui cogne une veine de charbon pendant des plombes alors que ça me sert à rien, qui tombe sur du fer derrière, et qui en suit très ravi. Voilà, c'était juste ça. D'accord, très bien. On n'est pas Alors. exactement sur du révolutionnaire, mais Oh. comme Olivier Faure. J'ai 42 graines. Oh, je viens de tomber sur mon premier minerai de cuivre. Ah. C'est orange et vert. Alors. En plus, ça en loot plusieurs à la fois. Qu'est-ce que je suis bien censé foutre de ça? Ils auraient pas Des pu, genre. blocs, plus des bâtons de foudre. C'est tout. Ils auraient peut-être quand même pu rajouter un set d'armes et d'armures qui aurait été de Mais niveau ouais, mais ils l'ont pas intermédiaire. fait. Enfin, ça aurait pu apporter une petite nuance et un peu plus de jolies choses dans l'inventaire, quoi, mais. Bon, bah, j'ai fait le début de mon champ. Là, mon grand espoir, c'est de réussir à sortir de la cave en un seul morceau. Voilà, je vais essayer de faire un début de maison. Parce qu'il va falloir que je range mes trucs, en fait. J'ai Ah, l'erreur mais. de sillonner une caverne en couche 50 dans laquelle je ne peux rien trouver d'intéressant. Et pourquoi après avoir prélevé ce minerai de fer, je vais rentrer maison. Ah, il y a du cuivre ici aussi. Pense que c'est le genre de minerai, au bout de peu de temps, on va juste arrêter de le miner en fait. Simplement. Oui. On va le laisser là où il est. Alors que, enfin, je sais pas, le cuivre, c'est un matériau qui a du potentiel, quoi. Bah oui, je pense. J'aurais Dans dit ça en tout cas. Terraria, il y a plein de choses utiles qu'on peut faire avec du cuivre. J'ai Je pas crois. tant joué à Terraria que ça, Dans mais il mes me semble. souvenirs, c'était le cas, en tout cas. Non, mais oui. Je prends mes affaires. Exactement. Peut-être que ça rapporte beaucoup d'expérience, un lingot de chopper. Non, Pas pas plus que sûr. ça. Parce que je vais bien pouvoir foutre de ce. C'est con parce que la texture est jolie en plus. C'est la question que tout le monde se pose. Moi, j'ai trouvé une idée de début pour un début de base. Non, c'est pas bon bouton pour là. Alors voyons voir comment tu as aménagé l'espace de telle sorte à ce qu'on ne se fasse plus écraser par de la lave. Si. Ah, t'as carrément tout coupé. Ouais, alors en fait, il y a pas la, j'ai pas coupé la source. La source est derrière le bloc de terre. Fait que quand on en aura besoin, si jamais on en a besoin, On on pourra pourra enlever juste enlever le bloc. le bloc des Et... terres. Exactement.
Déter et révolutionnaire. Hop. C'est sympa ce que tu nous fais là. Et bien, c'est une petite plateforme. Mmh. Voilà. Je ferais bien une blague sur Nestor Makhno, mais. Mais c'est sur peut-être... Makhno. Ouais. C'est peut-être un petit peu trop spécifique. Mais c'est une très très petite plateforme pour Makhno. Cette plateforme a été désignée pour une seule personne. Donc, je pense. Donc voilà. Donc, en fait, se met de beaux jours devant lui. Je pensais faire une tour, en fait, tu vois. Et ça, ce serait le centre de la tour, tu vois. Et ça, ce serait le premier étage, la plateforme que j'ai fait là. Sauf que pour ça, il faudrait que j'ai des matériaux pour pouvoir construire le mur, l'enceinte de la tour. L'idée étant que je la fasse probablement en pierre. Okay. Attends, est-ce que j'ai... Ah, j'ai une table de craft ici. Et pour construire une tour, c'est pas plus intéressant de la construire sur les hauteurs plutôt qu'au milieu de rien ? Stop. Je veux faire une tour qui monte. Ah oui, d'accord, mais... Donc si, effectivement, c'est plus intéressant de faire sur le hauteur, mais je fais ce que je veux. Ça va te coûter extrêmement cher. Oui. Mais voilà. Écoutez, c'est bon, mais c'est arrêté de me collapter. Ah, je suis pas dans le jugement, mais c'est juste... Le truc, c'est aussi que si je veux faire une base, c'est mieux de la faire ici. Parce que ici, je peux accéder à une mine et tout. Ou alors, sinon, je fais une petite base ici. Je ferai une tour. Ouais, mais si je veux faire une tour en hauteur, le mieux, ce serait de mettre genre sur un endroit vraiment haut. Un endroit vraiment haut, c'est là-haut. Sauf que c'est loin de la base que j'ai faite et c'est loin de mon champ. Et j'ai pas envie d'être loin de mon champ. Moi, je vais me faire une jolie petite Ou alors échelle. Sinon, je peux faire ça là-haut. Ici. Remarque, ouais. J'aurais peut-être décaler ça et le construire plus ici. Est-ce que c'est un bon endroit, ça? Non, j'aurais dû le décaler. Bon, on décale tout. On ne peut définitivement pas faire d'outils en cuivre. Ah non, on peut pas. Hein. La profondeur de ma déception est digne de... Quelle comparaison je peux faire avec profondeur ? Il vaut mieux éviter. D'accord. Là, je pense qu'ici, c'est bien. Hop. Faire... Bon, je vais un peu décimer la forêt, je suis navré, mais... Ok, mais tu la replantes. Oui, je le ferai, pas d'inquiétude. Je vais prélever un peu tout type d'essence. Hein. Ah bah d'accord, super écologie. Pour me donner la possibilité de... De faire de décorer comme du, je veux. Du gasoil. Non mais, pas ce genre d'essence. Ah, du sans-plomb, je vois. Okay. Mais non. J'hésite encore, je sais pas ce que je vais faire. Ou alors, sinon, ouais, je fais ma tour là-haut. Mais ensuite, comment je fais pour... Du coup, mon tunnel, il sert à rien si je déplace ma base. C'est ça, le problème. Oh, il y a une abeille près de ton champ. Ce qui est pas étonnant, il y a des ruches partout. Non, j'avoue, j'aurais jamais pensé. Ça doit être ça, chacal. C'est quoi ce skin par contre? C'est Majima. Ouais, c'est vrai. C'est Majima avec une veste violette. Ouais, mais sur la base voilà. De Steve, ça fait bizarre. Donc voilà, j'ai mis ça et en fait, je sais du coup, je ne sais toujours pas ce que je vais faire. C'est génial, j'en ai marre. Sur la base de quelque chose pour n'en faire rien. Eh bien oui, exactement, c'est ce que j'aime faire. Parce que je sais toujours pas quoi faire. Le problème, c'est que j'ai pas pu prélever énormément de bois avant la tombée de la nuit. Je ne sais pas. Alors, j'ai... Mon plan, en réalité, c'est de construire une espèce de maison angulaire à l'angle de ce creux, que je ne sais toujours comment appeler. Je sais pas, je donnerai un nom. T'es toujours à l'aise pour donner des noms. Ça me fait vraiment pas de soucis. Non, je peux pas récupérer l'arbuste. Tout ça à cause du cuivre. Saleté de cuivre.
D'accord, bon, ça marche. Ça marche aussi parce que c'est un squelette et que les squelettes marchent dans ce jeu. Bien vu. Et je vais décéder. Ben non, faut pas. Pas avant que j'ai établi un compteur de mort, enfin. Eh bien, il me reste 2 cœurs et demi. Heureusement pour moi, les squelettes ne savent pas s'accroupir pour tirer. Malheureusement pour moi, je n'ai plus à manger. Je vais pas rajouter de compteur de mort parce que je ne suis pas OP, donc je n'ai pas la qualité de le faire. D'une part. D'accord. Eh bien, peut-être. Je vais probablement partir maintenant. Et quitter ce jeu de façon éphémère, bien sûr, puisque je retournerai. Mais bref. Ah oui, pour combien de temps? Je sais pas, je reviendrai un jour. Peut-être demain, peut-être plus tard, peut-être tout à l'heure. Je ne sais pas. Eh bien, dans ce cas, je vais continuer pendant ce temps-là. Bon Eh vent. bien. Bonne continuation. Merci, au revoir. À plus. Je me retrouve seul et isolé dans le monde merveilleux de Il fait nuit sur Minecraft. Je peux rien prélever en extérieur, bordel. Je suis bien fait comme... Garder sa politesse, des fois, c'est difficile quand on est un peu acculé. C'est un petit plaisir personnel de revenir tranquillement sur le jeu. Je vais interrompre ma capture ici et je reviens une prochaine fois, en multijoueur toujours, parce que je me sens pas d'animer un épisode tout seul. On verra comment j'ai progressé.